Yo les potes, tout le monde, c'est Articuno Gaming, comment allez-vous? Moi ça va vraiment super bien comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment live sur Twitch. Du coup justement c'est sur un de mes live Twitch qu'on me l'a demandé, donc il vous suffit juste d'ouvrir l'application Twitch qui est juste là. Vous le lancez, il faut bien sûr vous connecter, genre il vous faut un compte. Et là vous cliquez en haut à gauche sur votre profil, donc moi c'est une tête de mort avec un chapeau de paille, donc ça vient de One Piece, petite... Voilà, je cale un petit truc comme ça. Et du coup, là, à droite, vous voyez, il y a marqué « Lancer le live ». Vous cliquez dessus. Après, « Stream de jeu bêta, jouer et streamer depuis votre appareil mobile ». Si vous voulez faire un stream, par exemple, sur Brawl Stars, il faut cliquer là-dessus. Après, il y a marqué « Streamer IRL, diffuser votre vie où que vous soyez ». Ça signifie, en gros, ça marche avec la caméra de votre téléphone, tout simplement. Nous, on clique sur « Stream de jeu bêta ». Tac. Que souhaitez-vous streamer? Donc là, vous tapez dans la recherche Brawl Stars. C'est juste que comme moi, le dernier live que j'ai fait, c'était du Brawl Stars. Il me propose directement. Tac. Vous mettez un titre, des tags, la langue du stream et les notifications de live. Vous mettez lancer le jeu. Donc là, vous n'êtes toujours pas en stream. Et vous voyez, il y a un petit bouton juste là. Si vous appuyez dessus, comme ça, et que vous cliquez sur commencer, dès que vous cliquez sur commencer, boum, vous êtes en live sur Twitch. Et là, normalement, juste en dessous de ça, il y aura marqué live. Et dès qu'il y aura une personne, il y aura marqué une personne. Si on a 100, il y aura marqué 100. En gros, il y aura marqué le nombre de personnes qu'il y a sur votre live. Voilà, normalement, c'est comme ça que ça marche. Du coup, normalement, je pense que ça marche avec tous les téléphones et je pense pas que ce soit différent. Sinon, c'est juste que votre version de Twitch est trop ancienne et du coup, il suffit juste de faire la mise à jour pour que ça marche comme ça. Du coup, les potes, si vous avez kiffé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifs et à mettre un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine!